Dans les journées lumineuses et ensoleillées, l'église de San Domenico, datant du XVIe siècle, projette son élégante ombre baroque et dentelée sur la salle de séjour à ciel ouvert des places Pisanelli. L'édifice s'élève juste en dehors du bourg ancien. Il est situé en face de l'église mère de la ville et supervise les palais féodales de Prince Gallone. Le clocher, avec sa typique flèche baroque, domine tous les monuments civils et religieux de Tricase. L'intérieur est caractérisé par la présence du plafond en bois, décoré avec des motifs turquoise et dorés. Les autels latéraux montrent les précieuses entailles en style baroque. C'est un triomphe des statues et anges, exemple caractéristique de la civilisation de la pierre de Lecce. Depuis 1810, les confrères du Saint-Rosaire s'occupent de l'entretien de l'édifice et de sa garde. La confrérie a été instituée à Tricase en 1579 par les pères dominicains et elle est parmi les guildes laïques les plus anciens de la province. L'église est annexée à l'ancien couvent dominicain de Saint-Pierre et Paul, fermé en 1809 en raison des lois napoléoniennes, et aujourd'hui siège de différents bureaux municipaux. Le portail d'entrée est situé sur le versant nord de l'édifice. La partie surjacente est embellie par un petit clocher et l'horloge civique. Sur la façade, il y a une plaque en marbre dédiée aux victimes du 15 mai 1935, quand, au cours d'une protestation animée par les travailleurs du tabac, 5 habitants de Tricase ont été tués.